Digimon et vous bien content, mon rétro-jeu après un petit moment. On fait une visite la ferme, le genre de la ferme, comment le dire. Et il y a pas mal d'affaires comme d'habitude qui évoluent. C'est un été de transformation, de pas avoir de plantes qui peut grandir, de pas avoir de nouvelles plantes qui nous peut planter, de nouveaux projets qui nous mettent en place. Et m'ont profité justement pour faire un détour de ça, pour visiter un peu tout simplement différents plantes qui sont super intéressantes. Cette semaine-ci, comme je tout connais, et dans la fête de la lumière. Donc du coup, moi, je suis bien content, je participe à tout un différentes fêtes culturelles qu'il y a dans Maurice. Quand j'ai eu l'occasion, si je ne peux pas faire boulet de chouchou, je fais boulet de chouchou. Et Briani me peut faire. Et là, cette semaine, je vais profiter. Vu qu'il y a une patate douce dans la cour, qui m'a bien servi ce matin de feuilles pour faire dans la cuisine au niveau salé. Et les patates douces aussi me font de différentes façons, c'est-à-dire grillées, frites, bouillies. Et là, nous pouvons faire aujourd'hui une recette spéciale que tout le monde connaît. C'est le fameux gâteau patate qui, pour moi, d'ailleurs, il y a une affaire fantastique. L'évolution du jardin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a une évolution par rapport à la saison. Okay? Donc là, par exemple, il y a la saison Vavane. Vavane qui est un fruit assez rare que tu peux gagner à l'époque. Et en même temps, là, je peux gagner un piment, donc je vais profiter pour faire un piment Vavang qui est vraiment intéressant. Et je vais même tester un jus de Vavang avec la graine de Vavang qui est un peu comme la graine tamarin. Donc, il y a un jus vraiment fantastique. Tu prends différentes plantes qui nous mettent en terre qui sont multifonctionnelles. Mais ça va une plante là pour permettre nous de gagner un produit de base qui peut servir nous dans la vie de tous les jours. Parce que si je prends l'exemple coco par exemple. Coco c'est une plante qui est fascinante dans le sens qu'il est grave dans un endroit sec et il met un déleu dans un noix. Noix là à différents stades. Ou bien il y a un petit lacrème coco, bien ou bien il y a une noix de coco qui justement nous peut servir dans sa gâteau patate là. Et après il y a une fantastique déleu coco pour nous réhydrater nous. Maintenant, une feuille. Il y a des gens qui sont tressés pour faire différents abris, par exemple. Et je crois même qu'il y a fait un sapour. Ça, hein. Et nous avons bien trouvé récemment que, par exemple, avec cette situation de Covid, là, qui a été quite an alarm ringer. Mais ce qui est arrivé, c'est que le plus nous avons une collection de plantes qui nous capable de servir, mais le moins nous avons un stress dans la vie de tous les jours. Rien qu'au niveau de herbes, il y a différents types de thym. Différents types de menthe, il y a différents types de romarin, il y a piment, il y a cotomili, il y a PSI, au niveau de bread, il y a bread tempus, il y a bread bâton blanc, il y a un épinard qui peut pousser. Mon maman était tout le temps allergique au bread giromon. Mais un jour, elle dit, et peut-être que c'est à cause des pesticides, donc c'est sa bread giromon qu'il y a ici, là. Il n'est pas mangé, sauf qu'il est malade. Donc ça, c'est une expérience vraiment intéressante. Je prends l'exemple carotte. Okay, nous sommes en carotte, mais la majorité du monde servent 10 carottes. Par contre, si je suis capable de servir sur feuilles aussi. Si je cause un autre job qui est intéressant, c'est la plante de cacao. Donc aujourd'hui, dans le jardin, il y a une plante de cacao qui bientôt, pour la première fois de ma vie, je vais gagner l'expérience de raw chocolate là. Alors moi, je vais envie de venir une fois pour que expérimenter ça. Il est supposé une noix, donc la base pour faire du chocolat, que ce soit une boisson au chocolat ou que ce soit patate douce. C'est pareil, nous allons mélanger au chocolat pour faire un mangato spécifique. La patate douce est un couvre-sol par excellence. Couvre-sol qui diffère, il protège le sol du soleil, donc il empêche les micro-organismes détruits par la chaleur. Et les micro-organismes pour ensuite décomposer différentes matières organiques pour nourrir différents plants. Déjà très vite, hein, en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, on commence à gagner sa manzane liquide là pour faire un genre tout fait bread qui est un goût un peu de bread marlboro et d'épinards mélangés. Maintenant, quand sa patate douce est épaissie au bout de 3 mois à monter, là on commence à gagner une patate douce. Donc quand on peut venir par exemple pour planter un arbre là-dedans ou pour nettoyer, pour faire une plate-bande pour planter autre chose, un, il est plus facile parce que quand on tire sa couche de patate douce là, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui sont installées. Et l'autre affaire, c'est qu'il peut récolter patate douce là en même temps. Ce qui est le contraire de l'utilisation de l'herbicide. Parce que l'herbicide, quand on vous met au sol, il détruit partout.
nous, nous croyons dans ce qu'ils nous appellent « band food forest ». Ça veut dire nous, c'est « imite band principe de forêt ». Et dans ce band principe de forêt là, nous mettons band arbres qui multifonctions pour qu'ils nous carrément manger le bois. Et manger le bois là, il vient l'eau, comme un petit pédiat est là, dit le coco est l'exemple, ayapana est l'exemple, citronnelle est l'exemple, et bon, il y en a tout, hein, fait goyave, nous carrément servi, fait corosol. Et le food forest, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au lieu, comment dire, par exemple, si je prends un carreau de monoculture, peut-être une seule couche, là, nous pouvons un système que, il y a un champignon qui peut sortir pour décomposer du bois pour envoyer ça dans la terre. Il y a le couvre-sol qui justement nous a servi. Il y a différents arbustes qui peuvent monter. Il y a des arbres qui peuvent monter. Donc il y a en fait il y a presque 8 niveaux. Hein. Il y a des légumes racines qui peuvent là-dedans. Il y a de la liane qui peut monter dans ce système-là. Évidemment, nous parlons ici, comment dire, une foule d'embois. Nous avons un minimum d'interaction et de maintenance. Et pourquoi nous allons dans cette direction-là? C'est par respect pour l'environnement et surtout parce qu'ils nous réalisent que la majorité du monde est malade aujourd'hui. Et bien, malade là, vient l'eau, le fait qu'ils ne pas respecter la vie, la nature. Quand nous recréer un système, et mon petit jeu, nous a fait, je vais partager mon expérience parce que ça fait 8 ans que nous avons fait aller. Et le résultat est là, c'est-à-dire qu'il y a un projet pilote. Aujourd'hui, je cavale de haut, je casse mon banane, mon papaye, mon goyave et. Oui, je fais un piège pour une mouche de fruits, mais le système est balancé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire aucun spraying d'insectes, par exemple. Pas d'insecticides, pas d'herbicides. Ce qui est intéressant, qui fait, moi, appelle les jardins fermes aussi. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils vous mettent une plante avant ou amène des animaux. Et quand on amène des animaux, on amène une quantité d'animaux qui est adaptée à ce système. Donc, par exemple, à l'époque, je cause un canard, ok, je fais un test pour les canards. Mais là, on diversifie un peu, on a aussi un lapin, un dindon, et un canard là peut continuer à grandir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans mon enclos là, il y a différents arbres qui poussent spontanément. Par exemple, il y a un plant gros feuille, qui fait un plant gros feuille, parce que ce growth rate marie rapide. Et en fait, il servit tout simplement d'éjection animale là, pour les pousser et les produire un petit bois qui vous servir après. Vous servir dans différentes façons. Je vais faire une petite cuisson de haut et je vais faire un feu de bois juste pour accompagner ma soirée ou faire un petit guide frais ou pour l'ambiance simplement. Donc ça veut dire que tout est relié. Hein. La plante elle a une faculté. Bon, tout le monde connaît que si nous servons fumier dans une plantation, fumier là, il peut aider pour que ma plante la développe. Et il y a différentes façons de faire. Donc nous sommes capables de faire un porc en semi-liberté. C'est-à-dire que les protéger de bande lichienne, les protéger de bande prédateurs, mais en même temps, ces bandes d'éjection là, nous pouvons récolter les pour nous servir dans nos propres systèmes de potager. Ou sinon, ce qui nous capable de faire aussi, c'est que dans les différentes zones du jardin, nous pouvons faire bande porc encore, que nous pouvons leurs bandes animaux là, par moment, pour qu'ils fassent une bande d'éjection dans mon place là et qui se pour en même temps picorer. Finalement, de par certaines lectures et recherches, vous réalisez que c'est un peu ça un comportement respectful de l'environnement là et de ce différents êtres vivants là qui nous peut bien réintégrer dans nous la vie. Parce que l'homme finalement, qui a un peu de questioning, est-ce qu'il dit qu'il peut amener une balance ou bien il peut amener un débalancement? On a tout un différents plantes qui en a trop beaucoup hybrides. Donc pour une production de fruits énormes, qui est dans le meilleur goût, qui est dans la graine, etc. Ce qui est arrivé, c'est que la plante là tombe plus malade. Donc comme la plante là tombe plus malade, nous retournons qu'un pied papa qui fait un cycle par exemple, moi est-ce qu'il y a un an ou un an et demi, après c'est fini. Par contre, quand nous acceptons qui nous capable de porter certains de nos fruits avec des oiseaux, nous retournons au papaye, mais ces oiseaux-là, quand vous avez une cross-pollination naturelle, qui sont la graine là pour passer dans le système oiseaux-là, et qui pour disséminer sa la graine là partout, qui pour germer naturellement dans la place qu'il nous choisir, mais là, vous pouvez gagner un pied papaye qui pourra pour marrer longtemps et qui pas pour malade. Dans la vie de tous les jours, dans la pratique, comment y était? Par exemple, mon cas simplement lever un matin, mon vieux boit un délire coco, moi le coup de mon pied coco, mon cas c'est un coco, mon boit lit, mon gars mon premier la boisson de la journée. À ce là, mon vieux boit une affaire, sûr mon pas vieux boit une affaire, comment délire coco, mon cas avaler, mon cas casser un peu citronnelle, moi infusé, mon boit une infusion de citronnelle. Moi j'ai besoin de nourrir mes animaux tous les jours, donc comme au passé, il y a une routine de nettoyage de bol
donner de la nourriture et en même temps guetter est-ce qu'il y a des affaires qui ne paraît. S'il y a un canard qui ne paraît, mais ça veut dire qu'il arrive sur l'air pour envoyer lui dans la cuisine. Donc nous préparons lui et là nous gagnons une propre viande qui nous fait à la maison. Bandisef qui fait-il, c'est Bandisef qui me laisse éclos pour qu'il me gagne d'autres animaux. Bandisef qui non fait-il, parce qu'il besoin de contrôler aussi le côté bloodline, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire inbreeding, donc élevage. Et donc Bandisef qui non fait-il, ça c'est Bandisef qui me consomme. Mais en même temps, il y a une autre affaire. Regarde par exemple sa place côte molité là. Mais c'est un simple bambou qui me courbe. Et là, mon cardiaque jeté dans le marie-soleil, mais il peut créer une longue brasse, un bon l'air qui peut venir, donc automatiquement, me sentiment bien. Maintenant, quand nous entourons de plantes, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il y a une affaire qui nous appelle un taux vibratoire qui est beaucoup plus intéressant, qui, quand nous entourons avec des affaires comme un coltan, béton, et le taux, puis roule de qualité. Donc, ça, beaucoup de monde connaît qui, par exemple, quand nous donne beau la mer, qui fait nous sentir bien. Parce que c'est la nature. Donc, quand nous, dans la nature, voilà, c'est le premier truc, c'est le bien-être, c'est l'état d'esprit, on se sent posé. Alors, donc du coup, il y a un autre élément dans le jardin aussi qui ban abeille, donc l'apiculture est bien important pour la bonne et simple raison que c'est ban insecte pollinisateur. Donc, c'est-à-dire que quand on soigne ban abeille, automatiquement, on a plus de pollinisation de ban fleurs et on peut avoir beaucoup plus de fruits et de légumes partout. Et en d'autres mots, si bien abeille ne pas gagner sa pollinisation là, nous pouvons gagner un petit guide avec les autres insectes pollinisateurs, mais les abeilles, c'est le plus grand pollinisateur et c'est un des insectes qui nous vient protéger absolument. La nature de nous, toute qualité option. Aujourd'hui, nous retrouvons nous avec banane Cavendish, qui est une banane qui vous rapporte marie beaucoup et qui, comment dire, a une valeur commerciale. Mais le problème, c'est que nous gagnons une maladie. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver trois quarts des places, les cueillir assez rapidement. Et les assez minces et les vignes noires, en fait. Donc, qui n'est pas super intéressant, et même au niveau du goût. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une banane Zaisli, une banane Mamoule, une banane rouge, une banane carrée, il y a toutes sortes de qualités de bananes. Donc, par exemple, banane Zaisli, ce qui me trouve incroyable, c'est que Bandimoun peut dire, ouais, il y a une valeur commerciale, parce qu'il est trop petit, combien nous pouvons vendre ça, etc. etc. Est-ce que je te rappelle, nous avons une vraie banane Zaisli, il y a une affaire fantastique. Ok, pas besoin de vendre une banane Zaisli là, mais nous mettons un pied, nous gagnons, au moins dans nous la cour, nous gagnons servi. Maintenant, banane Mamoule, c'est ça mon corps que je te vendre plus, comment est-ce que banane Zaisli. Il y a un peu plus gros, il y a une valeur commerciale à ce qui paraît. Mais moi, tout ça, ma différentes bananes, me trouve vraiment intéressant. Ma différentes qualités de bananes, comment je peux trouver, ce couleur différent, ce goût différent et ce texture différent. Là, nous ne pouvons pas de bananes, mais si nous cause goyave. Si vous m'avez dit, nous avons pour manger ce goyave de Chine. Mais alors qu'il y a un goyave rose, il y a un goyave blanc, il y a un goyave qui, quand il vient, il croque, quand il est bon, il y a un goyave qui vient laisser un petit peu plus mûr pour lui venir intéressant, il y a un goyave de laine qui est un petit goyave jaune qui marie intéressant. Donc c'est ça finalement, hein, favoriser la biodiversité. Vu qu'il nous cause aussi sans histoire de bandes fêtes différentes, de par différentes cultures qu'il y a à Maurice, mais il paraît, il vient loin du principe de biodiversité, que nous avons différentes cultures qui nous puissent valoriser et qu'il y a différentes variétés de fruits et de légumes qui nous puissent valoriser aussi. Pour moi, c'est ça le bonheur et le paradis. On arrive là pour nous puis nous gâteaux patates et ce qui me suis en reportage avec vous surtout c'est qui fait mon choisir ça aujourd'hui c'est parce que d'une part nous dans la semaine de Diwali ok et pour moi ce qui est intéressant dedans c'est la fête de la lumière et le plus intéressant c'est je connais mon grandi dans un village qui s'appelle Moka et à l'époque il y a une madame qui s'occupe moi comme mon grandi et la tradition c'était tous les ans qu'on m'a dit moi tu peux aller là-bas mais tu peux passer la journée tu peux faire tout quoi gâteau dont le gâteau patate et le gâteau jambéric. Ça, c'est là, c'est mon man favorite. Et c'est pour ça, un peu, nous tu appelles lui Ati Madame là. Et bon, c'était finalement, c'est mon deuxième maman. Hein. Et donc, ce gâteau patate là, c'est un clin d'œil, un remerciement à sa madame là pour l'inoccupement pendant mon enfance et pour sa portage de sa culture là. Les amis, nous profitons, nous apprendre de bandes cultures différentes. Après, nous mettre ça en avant parce que moi, c'est un plaisir hein, cette semaine-ci. Moi, faire mon gâteau là, comment je vais trouver, moi, faire mon gâteau patate, moi, pour aller me l'emplater et tout, et moi, pour célébrer la lumière. Je veux dire, là, nous paraît pour nous commencer le gâteau patate et ben, différents ingrédients déjà à la table. Donc, nous avons une patate douce, ils sont dans la cour directement, et une finie buis là.
Et là, Man Coco, pareil, à différents stages, Man Coco sec aussi, il commence à gagner. La variété de coco Chirimoun planté, avant tout, c'est un coco qui appelle Pemba, donc je posais un coco de nain, qui quand même vient assez haute, mais moins haute que les autres cocos. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il arrive à un stage, il vient de Man Coco sec, tellement il rapporté. Moi, je disais, une fois, je gagne un grappe coco, il y a 40 cocos l'eau là. Et dans mon compte, moi, je gagne un choc. Donc, il y a un coco qui automatiquement vient sec, et là, nous gagnons à la noix là. De ça, nous avons fait les deux cocos. Ou nous avons simplement servi comme ça pour faire une marisatine coco, ou sinon nous faire ça gâteau papa. Donc ce qui nous a fait, c'est simplement un peu de sucre, quand on met un petit guide de sucre, nous quand on met beaucoup, nous guettons nous. Moi, je préférais pas mettre trop beaucoup. Et là, nous cuire le coco râpé là avec le sucre, et nous pour mélange la farine avec gâteau patate pour faire ce petit foam, etc. Et nous pour mélange le coco avec le sucre au début dans un bol. Donc voilà. Et nous ajoutons le sucre, ok. Comme un petit peu de jus, allez là, je vais choisir quelle quantité de sucre que vous mettez, hein. Ça c'est une question de votre propre choix. Ça veut dire que là, à partir du moment qu'il nous finit faire ce mélange là, nous pouvons amener lui en dedans, qu'il nous pour cuire lui, et il pour venir un sirop de coco et de sucre. Et next step, c'est mélange en fait ça, patate douce avec la farine. Donc évidemment, avant qu'il nous mélange les bonnes patates qu'il finit puis là, nous pouvons écraser les bien, ok, à la fourchette, juste pour qu'il est plus facile pour mélanger et intégrer la farine là bien dans la pâte. Donc ça commence un petit peu expliquer tout ça. Et là, c'est bonnes patates qui sont directement dans la cour et qui est vraiment fantastique. Et c'est une affaire qui souvent me remet en perspective. C'est-à-dire que si nous avons une patate douce, manioc, arouille, fruits à pain, etc. dans Maurice, ben c'est ça qui nous fait bizarre, mettre en avant, plutôt qu'ils mangent du riz comme un tintin en tout cas. Donc voilà, là nous arrive le moment pour mettre la patate douce et mélanger avec la farine. Donc voilà. Et ce qui me fait. On rajoute un petit peu de bicarbonate dans la farine pour qu'il y ait de l'huile pas trop absorbée dans sa gâteau là. On mélange la farine là bien. Et ensuite, on mélange les, mais petit à petit. Hein. C'est-à-dire qu'on met un petit guide. Voilà, là nous besoin de patience, juste pour mélanger tout ça là. Et voir qu'on fait un mal un petit guide dur, mais bon. Pas grave, là, on va remplacer les nez IBS là. Donc ok, ça veut dire là on finit faire un peu de travail avec fourchette. Ce qu'il me fait, c'est qu'il carrément m'envoie la main à la pâte, ok. Pour sentir bien que la farine et les patates sont bien mélangées. Et là, bon moi, après des années qu'il m'a pu refaire ça là. Hein, donc. C'est un peu le plaisir de cette semaine. Et surtout pareil, c'est pour valoriser les affaires de la cour. Donc là, à ce là, je vais mettre l'eau à la table. Alors là, pour rempétrir la farine. Et la pâte pour qu'il devienne consistant et homogène. Donc là, nous prêts pour finir nous la pâte, bien lisse, bien polie, bien nice, et nous faire un petit morceau comme ça, et nous pour rouler aussi. Effectivement, ça peut rappeler moins longtemps quand tu peux à la côte Hati, enfin belle l'époque ça, hein, après bien longtemps, vous pouvez faire ça là. Mais il est bien intéressant et nous rappelle si on a la lampe pétrole, nous avons un petit peu cuit l'eau là, derrière dans la case. Finalement, on arrive 42 ans bananes aujourd'hui. Et quand on remasine tout ça là, ça fait moi quand même bien plaisir. Donc à ce là, ce qu'il nous fait, c'est nous mettre un petit peu de la farine là, pour nous rouler et nous battre cercle. Okay? Donc voilà, de l'occasion. Qui, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement couper un bout de bambou. Hein.
Donc moi je trouvais bon pour la là ou là et me servir bon pour même pour partir me gâteau. Voilà, donc là nous roulons la pâte et une fois qu'il est roulé, Stella nous fait une manneron. Donc là. Ce qu'il nous fait, il nous remélange le chocolat bien et nous prend un petit coco et le sucre qu'il nous met au milieu là. Okay. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous a fait, c'est prendre un petit guide d'eau juste pour qu'il colle bien. Bonne croissant une fois mais à ce là ce qu'il nous fait, mon équipe pèse un petit peu sur le beau là. Okay. Super, bien content. Après des années mon griffé sa gâteau patate là en souvenir de mon époque de l'enfance. Et mon mari content parce que il peut paraître mari top. Donc voilà, nous refaire une deuxième opération pareil à ce rue le bel nain de fortune. Qui est en bambou cette fois-ci. Voilà, termine ça rouler là pour gagner encore 4 ou 5 gâteaux patates. Voilà. Après belle époque mon refaire ça et ce qui est intéressant c'est que refaire lui avec mon propre produit du jardin ramène moi dans sa époque longtemps là encore finalement mariner le foie là comme tu peux faire boulet de chouchou moi tu rajoutes c'est vrai bien là dedans ce qui quand nous acheter n'est pas arrivé mais pareil nous fait une gâteau patate la maison nous mettons un coco qui nous râpe nous mêmes dans place un coco qui nous acheter qui nous sec là belle différence ça belle différence. Donc maintenant, pareil, un petit litre d'eau pour sa boue la coule bien. Le charme qui est là, le plaisir qui est là dans sa portage là, je trouve. Voilà, nous réparer, nous récraser bien. Gâteau patate. En fait, il y a une autre affaire aussi qui me contente dans tout ça là, moi, c'est que tout le monde a fait qui nous préparait à la maison et pour tout le temps meilleur. Hein. Donc voilà, ça veut dire tu es prêt, il arrive les raster pour nous frire un gâteau. L'huile, il finit chauffer avant. Donc voilà, c'est là ce qu'il nous fait, nous mettons tout le monde gâteau patate à frire. Waouh, fantastique. Et ça vous jette. Magnifique, magnifique, magnifique. Mon premier gâteau patate après des années, un grand souvenir. Un grand souvenir d'enfance. Donc là, je finis paré. Il arrive là pour Thierry. Et mettre lui là justement pour l'excès d'huile capable de descendre tranquillement. Ah. Beautiful homemade gâteau patate. Bonne fête de la lumière à tous.